Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti préparer les terrains à maïs et on va semer. Derrière moi vous voyez c'est la fonte, il y a des endroits où il y a des mottes. Avant de passer le vibro, je vais passer ça. Comme ça fait sec et qu'il n'y a pas eu d'eau, on va en profiter. Alors on vérifie la profondeur, on est environ à 3,5. Et l'écartement est respecté parce que vu que c'est un plateau, on sème ça tous les 17 cm et les interrands 75. Ce qui nous fait du 83 000 pieds hectares. Alors je vais vous montrer un peu le dépliage. Là j'ai soulevé les deux rouleaux. Il faut bien qu'il soit baissé en position route. Et là après, bon forcément c'est dans l'autre sens. Et là on déplie le rouleau. C'est un Eva Agridis moi que j'ai, 6,30 m. Et là après avec l'autre manette, il faut y aller progressivement parce que ça fait quand même du poids la fonte. Voilà, ça fait deux à-coups. Parce qu'il faut savoir que c'est... Et là... Normalement, il faut que je donne une petite impulsion après en avançant. Voilà. Les roues touchent plus au sol et les rouleaux, ils vont casser. Vous voyez les quelques mottes qui restent là. J'ai pas voulu repasser une herse rotative ou autre chose. Comme c'est, je vais passer un coup de vibro juste avant de semer. Là, il y en a eu juste un. Et après, on semera.